Salut tout le monde! Aujourd'hui, donc, je suis au parc parce qu'il fait super beau. Puis, j'attends mon ami qui est supposé de venir me rejoindre. Puis, en attendant, ben, moi, je suis sur ma serviette de plage, comme ça, avec mes deux pitous. Ursule, qui a vraiment, vraiment, vraiment fucking chaud. Puis, Maurice, qui est juste trop curieux pour être avec nous. Maurice! Maurice! Oh, coco. Puis, à la face même de bave de Ursule, je pense. C'est vraiment dégueu. En tout cas, fait que c'est ça. Dans le fond, je relaxe. Là. J'ai 3 jours en fin de semaine à cause que lundi, c'est congé férié. Fait que je suis vraiment super contente. Puis, je profite du beau temps. Fait que c'est ça. Bye bye! Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un apartment tour. Donc, je vous présente mon appartement. En commençant ben, par la porte d'entrée, pourquoi pas. Donc, ma porte d'entrée est comme ceci. Je vais reculer pour que vous voyez mieux. Donc, voici ma porte d'entrée avec la poubelle à crottes de chien. Avec un miroir que j'ai pété dernièrement, d'ailleurs. Je sais pas si vous allez voir, là. 7 ans de malheur, les filles. Holy shit. Ouais. Fait que c'est ça. J'entre. Je vais vous montrer dehors, là. En ce moment, il y a un appart à louer. Fait que je suis au deuxième étage. Puis j'entre comme ceci. Et voilà ce que je vois. Donc à ma droite, j'ai mes portes françaises, comme ça, qui arrivent à mon bureau, qui est en fait mon bureau et ma chambre en même temps. Fait que je vais vous commencer par le bureau ici. Donc c'est ici que je vous filme mes vidéos la majorité du temps. Donc vous voyez là mon trépied avec ma caméra, mon ordinateur, mes chandelles du Bath & Body Works avec mes petits Purell là, qui sont juste trop bons. Celui-ci d'ailleurs, Mango Mai Tai, ce qui sent bon, c'est juste fou raide. Donc mon bureau qui est quand même assez simple dans les couleurs, on voit pas bien la couleur mais... Ah oui, comme ça on voit quand même assez bien. C'est une espèce de brun rouge. C'était à ma mère avant, fait qu'elle me l'a donné. Puis ici, je mets mes petits bracelets, mes lunettes fumées et ben, ma chaise. Puis ici, j'ai mon rack à sacoche. Puis un petit mini rack ici, là. Un petit rack à collier. Je mets tous mes colliers dessus. Puis, à part de ça, dans ma chambre, j'ai mon meuble qui est ici, qui est mon meuble à vêtements, à côté de mon rack à vêtements, là, suspendu. Fait que, avec toutes mes chaussures qui sont en dessous. Puis, j'ai encore d'autres sacoches ici. Ben, j'en ai deux, en tout cas. Fait que, ça, c'est tout mon linge. Je sais que c'est foncé, là, mais... Je peux rien y faire, désolée. À part de ça, juste à côté, j'ai un petit meuble avec un ramassis n'importe quoi sur le dessus. Là. Mais ça, c'est pas important. Le petit meuble, en fait, c'est là où je mets tous mes vernis à ongles. Et j'ai quelques cosmétiques, genre des trucs, mettons, des... ça, c'est mes sacs à cosmétiques. Puis en dessous, j'ai genre des cosmétiques qui rentrent pas dans ma salle de bain, là. Mais tu sais, c'est ceux-là que j'utilise le moins souvent, là, fait que c'est pour ça que j'ai les mis ici. Fait que c'est ça pour mon bureau. Ensuite, on s'en met... Hey, Ursule! Ma petite fille qui mange son os sur mon lit, là, je suis pas si contente. Ah ouais, ici. Tu sais, ils ont leur lit à côté de mon lit, là. Oh, qu'est-ce que t'as fait à Maurice? Pile pas sur Momo, pauvre petite! Mon petit loup. Hein? Ils sont tellement fatigués à cause qu'on revient du parc à chien, là. Ils sont vraiment tranquilles. Ah, oh, bon, Maurice. Maurice, elle se fait écraser par Ursule. Ouais, ok. Fait que ça, c'est leur lit qui est juste à côté de mon lit. Puis ce côté-ci, c'est mon côté. Ça, c'est lui à mon chum. Fait que ça, c'est ma table de nuit. Qui est genre vraiment... comme année... Je sais pas quelle année, là, mais... C'est vraiment intense, là. C'est vieux. C'est vraiment vieux. C'était à ma grand-mère, là. Faut juste pour vous dire. Fait que ça, c'est mon côté. Avec... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. On a des rideaux, là, pour séparer... Mon Dieu, entendez-vous les chiens? Fait qu'on a des rideaux comme ça. Comme ça, on a pas de lumière
pendant qu'on dort. Je vais vous montrer de l'extérieur. Fait que ça, c'est nos rideaux comme ça, là. Puis ça se ferme au complet. Fait que si jamais je veux aller à l'ordinateur pendant que mon chum il dort encore, ben ça le dérange pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est le côté à mon chum, le garde-robe à mon chum, puis toutes ces affaires qui traînent, là. Genre, ça, c'est juste une grosse pile de linge pas rangée. Mais bon, ça me dérange pas, fait que, vu que c'est pas de mon côté, il fait bien ce qu'il veut avec son côté. Puis, le reste que j'ai dans ma chambre, qui est vraiment le fun, c'est ma télé juste en face de mon lit. Fait que, c'est si mon chum, il veut écouter, mettons, comme l'autre fois, il voulait écouter la boxe avec ses amis. Puis, on n'a pas le câble dans la chambre, fait que, il l'a écouté dans le salon. Puis, moi, je me suis mis des Grey's Anatomy ici, comme ça, avec mon DVD qui est là, puis mes pantoufles sur le dessus. Puis, ben, c'est vraiment relax. Genre, on est vraiment bien, là, écouter la télé dans son lit. Fait que c'est ça, je vais remettre mes gogounes. Ok, c'est reparti. Fait que ça, c'est la porte qui donne dans le couloir, mais d'habitude, elle est jamais ouverte, là. Mais là, vu qu'il fait vraiment chaud, j'essaie d'aérer un peu l'appartement. Fait que l'entrée que je vous ai pas montrée tantôt, ben, c'est. Je recule encore. Il y a mon rack à. Voyons, à manteau. avec mes trucs d'hiver, mes paniers d'hiver dans le haut, là, juste à côté de la porte. Fait que c'est super pratique. Avec mon chariot de mamie là, pour aller faire l'épicerie. Fait qu'après ça, on va dans le couloir. Dans le couloir, il y a mon panier de linge sale. Un rack à chaussures, puis des cassettes là, qu'on sait pas trop où les mettre. Là, fait que je les ai mis là. De toute façon, si on n'écoute plus même une cassette, là, c'est plus des DVD maintenant. Puis tous les sacs à caca de chien sont là. Je savais que ça allait vous intéresser. Fait que ça, c'est mon couloir. La porte de ma chambre, dans l'autre sens, comme ça. Puis là, ben ça, c'est ma porte de chambre de bain avec mes serviettes dessus. Puis là, ben ça, c'est ma chambre de bain. Avec. Ah ouais, je vais vous montrer ça. Là, c'est ça. Là, c'est là que j'accroche, genre, toutes mes boucles d'oreilles qui pendent, là. Avec la porte à dents en dessous, puis mes crèmes à main, mes lunettes, mes verres de contact, tout ça. Puis mon miroir avec toute ma douche en arrière puis tout là. Mais le plus essentiel, ben pas la toilette. Oui, mais c'est pas ça le plus intéressant. Fait ici dans mon armoire comme ça là, je mets tout mon maquillage qui est là-dedans avec mes brunes pour le corps puis mon parfum en arrière là. Avec mes pinceaux qui sont là. Comme j'ai tout à la portée de main, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai mes trucs de cheveux, genre mes brosses, puis mes bobby pins, puis mes petits élastiques. Ils sont tous là-dedans. Ah oui, je vous ai pas montré ça, hein. J'ai reçu ça avec ma Luxbox, là. Urk, c'est genre tellement laid, là. C'est un petit sac à cosmétiques, là, avec un zipper. Mais checker le zipper, là. Genre, un zipper dauphin. Genre, ça peut-tu être plus quétaine, mon Dieu? Puis ça sent tellement fort, le plastique, là. Puis genre ça c'est en arrière. En tout cas, c'est vraiment laid, je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé ça. En plus ça c'était supposé d'être genre En plus ça c'était genre supposé d'être un low bunny parce qu'il avait oublié de m'envoyer il avait oublié de m'envoyer quelque chose que j'avais présélectionné dans ma boîte. Puis ben là ils m'ont envoyé genre ça puis un crayon. Oh mon Dieu, genre j'ai le front huileux, j'ai genre trop chaud. OK, ça va. Ouais, fait qu'il m'a envoyé ça, puis avec un crayon à yeux, puis le crayon à yeux, il tient vraiment pas, puis en tout cas, je trouve vraiment que c'est de la merde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, ben j'ai mon armoire, là. Le premier étage, c'est tout à moi. Fait que ici, j'ai mes deux palettes BH Cosmetics de 120 couleurs. J'en avais trois, mais. Ouais, c'est exactement ça qui est arrivé, mais à ma palette. En plus, c'était full ma préférée, là. C'est chiant, là. C'était la numéro 4, si je me trompe pas. Puis la numéro 4, c'est All Shimmer. Puis c'était tellement ma préférée. Il y avait des belles couleurs, là. Puis en tout cas. Bref. Fait que ça, c'est tous mes produits pour les cheveux. Genre mes mousses, mes huiles, protecteurs, spray net, tout ça. Après ça, ben j'ai mes crèmes ici. Crème pour le corps, beurre pour le corps, crème pour le visage, mes démaquillants. Mon déo, puis mes petits trucs
Mes petits tampons démaquillants. Puis le reste, ça c'est à mon chum, avec les affaires de gars. Sauf ça, qui est à nous deux. Puis après ça, dans la rangée du haut, j'ai mes verres de contact de surplus. Pas de surplus, mais de. En tout cas, mes verres de contact. Un truc, une râpe pour les pieds, là. Genre. En tout cas, c'est vraiment le fun pour enlever la corne. Mon séchoir qui est ici. De l'huile pour bébé au fond. Puis un verre avec des trucs genre pâte à dents pour chien pis tout. Puis en haut là-bas, là, que je vais juste me montrer en m'étirant les bras parce que c'est vraiment haut. J'ai mon panier sur le dessus, ici, qui est genre toutes mes fer à friser, fer plat, ouais. Puis dans la boîte qui est juste en dessous, ben, c'est mes deux paires de rallonges, mes deux sets de rallonges. Donc voilà. Ensuite, ben ça c'est ma douche, là. Je vais vous le montrer vite fait, là. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, c'est tout. Je ne tente pas de vous montrer plus que ça, là. Vous avez déjà vu en plus un peu. Après ça, on arrive dans le salon. Donc, quand on arrive à droite, j'ai mon armoire avec genre mes serviettes puis mes draps. J'ai ma chaise que mon chien Maurice, mon Boston Terrier, il aime juste trop, 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 là, à cause que c'est en poil puis je sais pas, il trippe, là. Mon garde-manger ici, avec mon aspirateur puis tout. Et mon meuble de télé. Donc, je recule un peu, là. Ouais, fait que ça, c'est mon meuble de télé. La cuisine au fond. Après ça, j'ai une table, mon divan. Toute ma collection de DVD. Puis, quand on arrive de l'autre côté de mon divan, j'ai une bibliothèque avec plein de cochonneries. Genre ça, là, c'est tout du linge à mon chum que j'ai dit de ranger. Mais bon, c'est correct, c'est correct. C'est, en autant que ça soit pas dans mon chemin, là, ça me dérange pas trop. Fait que c'est ça. Ouais. Ma table. Ensuite, j'ai ma cuisine. Donc, ma table de cuisine. Mon frigo. À côté de mon frigo, j'ai mon four micro-ondes, la bouffe à chien, les bols pour les chiens, la poubelle, le recyclage, ma sécheuse. Puis ici, j'ai genre vraiment une belle décoration, mes boîtes électriques. Après ça, ben, mes tablettes avec genre des guenilles puis des affaires à barbecue. Plein de bières vides, des glacières, une fenêtre pour être sérieux, c'est, je suis trop contente d'avoir une belle fenêtre grande comme ça là, dans ma cuisine. Là. Je sais pas si vous voyez, là, elle est genre grande comme ma porte. C'est vraiment cool. Là. Fait que le matin, là, quand je déjeune, je suis genre trop bien. Là. Je suis là, je m'assis là, puis je regarde dehors. C'est chill. Fait que c'est ça, un ananas. Ma laveuse avec mon dock à iPod. Des armoires, de la petite mosaïque full belle que j'aime vraiment là, genre j'ai craqué pour cet appartement-là juste à cause de cette mosaïque-là, là. En tout cas, oups. Donc mon lavabo avec des petites lumières sur le dessus là, que j'ai posées. Des petites lumières. Oh! Oh, faut falloir que je la change. Bon. Puis mon four, qui est juste là. Puis quand que je filme genre des Get Ready With Me, ben c'est ici que je le filme, là. Je mets un drap ici. Puis je m'assois là, avec ma caméra là. Puis voilà, je me filme là. Ah oui, puis j'ai ça ici, j'ai mon horloge géométrique là, avec des cubes. Les cubes, ils tombent tout le temps, là, c'est vraiment gossant. En tout cas, puis ben ça fait pas mal le tour pour de vrai. Ça fait pas mal le tour de mon appartement. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut les filles!